Bonjour à toutes, bienvenue dans ce défi live quotidien 336 jours, numéro jour, j'ai tout inversé. Jour numéro 336. Bienvenue sur ma page personnelle Marion Alcon. Je suis en joie, je suis en gratitude, je suis excitée parce que aujourd'hui, si tu sais, et que tu me suis depuis un moment, je sais qu'il y a plein de nouvelles âmes, plein de nouvelles personnes qui ont rejoint mon univers là ces dernières semaines. Vous êtes nombreux à faire vos demandes. Et si je n'ai pas encore répondu, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes en attente. C'est la journée des célébrations. C'est la journée de l'abondance. C'est la journée où je célèbre, on célèbre avec mes clients, avec les âmes qui ont rejoint mon univers. Que ce soit dans mes programmes, que ce soit dans mes coachings, on célèbre nos réussites de la semaine. Pourquoi je crée cette nouvelle habitude chez mes clients, chez les personnes qui rejoignent mon monde? Parce que quand on programme son système nerveux, on pose l'intention, on met notre focus sur ce qu'on a réussi, sur ce qu'on a réalisé, et qu'on rapproche ça sur une semaine, même on peut le faire à la journée, je le conseille de le faire aussi à la journée, ça crée une autre dynamique, ça crée une autre énergie dans notre corps, dans notre système nerveux. Donc voilà, c'est la journée des célébrations, ça j'adore, c'est un kiff total. Ce qui se passe dans mon univers en ce moment, c'est hyper puissant. En fait, il y a une expansion chez moi des personnes qui viennent dans mon monde. Donc si t'arrives, je vais te laisser le temps d'arriver et puis te connecter. Si t'es là, fais-moi un petit coucou. Si t'es en replay, mets-moi un hashtag éveille ta conscience ou un hashtag péter les codes. Parce que vraiment, c'est ce qui est en train de se passer. Cette offre péter les codes que j'ai mis en place le 1er janvier, les personnes qui l'ont rejoint ont expansé leur vie, ont expansé leur business, mais de manière incroyable. Ils ont vraiment pété les codes. Cette offre, péter les codes via l'application Voxer en privé avec moi, c'est ouf. Mais vraiment, c'est dingue ce qui se passe. C'est magique. Mais en fait, ce qui est aussi ce que j'adore, c'est le lien qu'on crée. C'est cette connexion quotidienne en illimité ensemble. C'est le lien qu'on crée entre nous. C'est la manière de notre relation, comment elle se dirige. C'est l'activation qui se passe en toi, en vous, en fait, quand vous êtes connecté avec moi quotidiennement. Parce que ça, c'est ma magie. C'est facile pour moi d'activer les personnes et de révéler votre magie, d'activer votre potentiel et que vous puissiez passer à l'action de manière fluide, magique, facile, aisance, dans la joie, dans le plaisir et de réaliser des trucs de dingue. Ça, j'adore. Mais j'adore de dingue. Ça, c'est... J'adore cette offre. Donc, voilà. C'est top, vraiment, on pète les codes. Mais encore une fois, ce qui est magique, c'est la manière, l'intention, le désir. Donc, dans ce live, on va parler de l'importance de poser une intention, que l'intention va créer nos désirs et qu'on va vraiment, avec l'intention, en fait, on va activer nos désirs les plus profonds. On va activer ce qui est vraiment important pour nous et pourquoi on le veut. Donc ça, c'est tout le sujet du live d'aujourd'hui. Et donc, quand elles activent ça, ces personnes, elles créent, mais vraiment, de la magie. C'est pourquoi aussi, l'intention que moi, je mets aujourd'hui dans mon business, dans ma vie et tout ça, et que j'active en fait toutes ces choses-là, que je deviens une personne magnétique qui attire ses clients idéaux, c'est ça aussi qui crée la magie. C'est ça qui augmente la puissance de mes coachings. C'est ça qui augmente la puissance de mes accompagnements. Parce que c'est l'intention que j'y mets, c'est la vibration que j'y mets et j'ai les bonnes personnes qui viennent dans mon monde. Donc si moi j'y arrive, je t'assure que c'est possible aussi pour toi. C'est ce que je vais te livrer dans la masterclass qui aura lieu lundi à 18h. Vous êtes déjà presque 15 inscrits, inscrites parce qu'il n'y a que des femmes il me semble. Donc j'ai tellement hâte, ça va être hyper puissant, ça va vraiment venir activer des choses en toi. Il y a un niveau de compréhension, mais c'est surtout de l'activation, parce que c'est ça que je sais faire. Donc voilà, pour revenir à l'intention, l'intention, en fait, elle doit être, comment dire, elle doit être alignée avec ce que tu désires profondément. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais ce que tu veux? Est-ce qu'aujourd'hui, tu portes ton intention sur ce que tu veux? Ou alors, peut-être que tu es plutôt en train de te dire, non, je veux pas ça, c'est pas ça que je veux, ça fonctionne pas.
c'est ok. C'est encore une fois, c'est d'en prendre conscience. Partage avec moi dans quelle énergie c'était là, parce que je vois des petits yeux, mais je vois pas qui c'est qui est là. Comment ça résonne en fait? Comment toi, dans quelle position aujourd'hui tu es dans cette intention-là? Et de te poser la question, pourquoi tu désires ça? Pourquoi tu le veux vraiment? Quel sens? Parce que de dire, oui, je veux l'abondance, oui, je veux être riche, oui, je veux une maison, oui, je veux une famille, oui, je veux être en couple, mais pourquoi? Pourquoi tu veux vraiment ça? Et parfois, on a tendance à s'attacher à des détails qui sont pas forcément importants pour nous et que on ne sait pas pourquoi en fait on le fait. On ne sait pas, on le fait peut-être par rapport à prouver quelque chose, à faire plaisir à l'extérieur. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quand on revient à soi. C'est vraiment tout à l'impartir de soi. C'est vraiment encore des niveaux de compréhension que je passe avec ça. C'est de comprendre qu'en fait, tout part de moi. Tout part de qui on est. Bonsoir Tine, bonsoir Sylvia. Le désir derrière l'action, quand tu désires quelque chose, l'action que tu vas mettre en place, c'est ton désir qui va être activé. Et c'est le pourquoi tu vas le faire qui va encore prendre plus d'importance, qui va activer cette puissance-là. Si vous voulez, comme je vous disais, générer, attirer de l'abondance, créer cette abondance dans votre vie perso, familiale, dans le couple, dans votre business, si c'est juste pour avoir de l'argent, juste pour être riche, ça ne suffit pas. C'est pourquoi vous voulez vraiment ces choses-là. Si tu as un désir fort, si tu as une intention forte, tout est énergie. Tout est énergie. Nous sommes énergie. Notre corps est fait d'énergie. Nos pensées sont d'énergie. L'amour, c'est l'énergie. L'abondance, c'est l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Les émotions, c'est de l'énergie. Tout est énergie. C'est ça? Quelle est ton intention, Sylvia, dans ce que tu désires vraiment? Est-ce que vous savez aussi ce que vous désirez? Parce que moi, où ça commençait à switcher comme ça, c'est quand j'ai... Attends, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Je ne savais pas. J'étais incapable de répondre à cette question-là. Je savais pas. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous habitue à avoir comme raisonnement. On nous habitue dans... Le conditionnement, la vie fait en sorte qu'on est habitué à dire « mais je veux pas ça, j'en ai marre de ça, ça m'énerve, ici et là ». Mais finalement, c'est pas ce qu'on veut. Et on commence à se détacher de qui on est. On commence à se détacher de notre nature profonde. Et finalement, on agit par rapport à l'extérieur, par rapport aux attentes des autres, par rapport à ce qui doit se faire, ce qui est conventionnel. Mais c'est pas notre vraie nature et c'est pas ce qu'on veut vraiment. Et on peut tout avoir, c'est possible de tout avoir. On nous a fait croire que c'était pas possible, mais on peut tout avoir. On peut avoir l'amour, on peut avoir l'argent, on peut avoir la famille idéale, on peut avoir le business idéal, on peut avoir un business riche, on peut avoir une famille riche, on peut avoir un amour riche, on peut avoir des amis riches, on peut tout avoir. C'est ça. C'est de reprendre son lit, de reprendre le pouvoir. Et l'intention que tu vas poser va vraiment transformer ce que tu veux et ce que tu veux dans ta vie. L'intention de tout ce que tu entreprends, l'intention derrière tes actions, derrière tes pensées, derrière les mots que tu emploies, derrière ton énergie, dans quelle vibration tu es, l'intention dans tout ce que tu entreprends a un impact sur ce que tu désires. Quand tu comprends ça et que tu l'intègres dans ta vie, je t'assure que tu deviens magnétique. Tu attires tout ce que tu désires. Plus tu mets ton focus sur quelque chose, plus tu mets ton intention sur quelque chose, plus tu le crées. Et l'intention que tu vas mettre quand tu vas agir, quand je suis ici, avec vous chaque jour, mon intention c'est de vous apporter une prise de conscience. Mon intention c'est que ce que je vous transmets ici va vous permettre d'expanser votre vie et votre business. L'intention c'est aussi que tout devient possible, que tout est possible, que chaque femme, je parle essentiellement aux femmes parce que c'est quelque chose qui me porte, c'est ma mission de montrer que les femmes, elles peuvent tout avoir, elles peuvent tout faire, elles peuvent créer le business de ses rêves, elles peuvent créer la vie de ses rêves, elles peuvent avoir la relation amoureuse qu'elles veulent, elles peuvent tout avoir et que nous, en tant que femmes, on peut faire aussi. C'est ça notre puissance aussi, de reprendre notre lead et que tout est possible. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et pourquoi tu le veux? Pourquoi c'est important pour toi?
t'arrêtes pas, je veux une maison. Pourquoi tu veux une maison? Pourquoi tu veux l'abondance dans ton business? Pourquoi? Quelle est l'intention derrière? Tu peux faire la liste de tes désirs. Tu peux te connecter à tes désirs chaque jour. Tu peux les ressentir, tes désirs, à chaque fois à l'intérieur de toi. Tu peux les vibrer. Parce que si c'est juste dire « oui, je veux » et tu t'arrêtes là, ça ne marchera pas. Tu pourras dire « oui, ce que Marion m'a dit, ça n'a pas fonctionné. » C'est ce que je t'apporte. Je t'apporte le comment tu vas le faire, comment tu dois le mettre en place, comment tu vas activer ça à l'intérieur de toi. Déjà, on le fait tous inconsciemment dans notre vie. On le fait tous inconsciemment, mais le but, c'est vraiment quand ça passe en conscience et qu'on comprend le système, quand on comprend ces lois universelles, quand on comprend comment ça fonctionne, là, on devient maître. Là, on devient leader. On devient responsable de sa vie. On est là en train de diriger sa vie en posant vraiment une intention derrière chaque action, chaque désir. C'est ça. Chacun a ses propres désirs. Chacun a ses propres souhaits. Il y en a qui veulent être millionnaires. Il y en a qui veulent impacter des milliers de personnes. Il y en a qui veulent, comme tu dis, Sylvia, vivre dans un camion et voyager toute leur vie. Il y en a qui veulent avoir une maison et avoir un cocon familial et puis impacter 1, 2, 5, 10, 20 personnes. C'est ça leur désir, c'est ça leur mission, c'est ça pourquoi ils sont ici sur Terre. Mais c'est de revenir encore à quoi en toi c'est important. Qu'est-ce que toi tu veux? C'est pas ce que ta voisine, ton voisin, ce que ta mère, ton père, c'est qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment et pourquoi tu le veux? Ça, c'est vraiment d'identifier tes désirs. Vraiment d'identifier tes désirs et créer ce détachement. Parce que nous, on a tendance, en tant qu'être humain, de vouloir avoir le contrôle. De vouloir, je le veux à telle date, que ça se passe comme ça, que ça se passe sous cette forme-là. Mais en vrai, ça ne se passera jamais comme tu voudras parce que la vie va orchestrer les choses comme pour le meilleur pour toi. Elle va toujours t'apporter le meilleur pour toi et souvent, c'est encore mieux de ce que tu aurais pu imaginer. Et que des fois, même si tu n'y as pas tout de suite, ce que tu es en train de vivre là, c'est en train de te préparer pour être encore mieux, pour être encore plus en place, prêt et prête à réaliser ce que tu désires vraiment. Tu vois? C'est vraiment d'être aussi conscient de toutes les opportunités qui s'offrent à toi. La masterclass que je te propose lundi, peut-être que c'est une opportunité pour toi. Peut-être que ça va te permettre d'exporter quelque chose dans ta vie, dans ton business et de t'attirer les situations à toi. Parce que là, c'est attirer ses clients, mais ce mécanisme fonctionne pour tout. Ce mécanisme fonctionne pour tout dans ta vie, en fait. Tu vas attirer l'amoureux, tu vas attirer la maison, tu vas attirer quelque chose, ça va venir, en fait. Coucou Fabienne. Est-ce que tu saisis cette opportunité-là? Est-ce que tu es prête à l'attraper? Ou alors tu la laisses passer et tu te dis... Oh, bah, je ne l'ai pas vu. Ou pourquoi moi, ça n'arrive pas? Ça demande aussi de faire le calme. Ça demande d'observer et d'écouter ce que ton corps et ton cœur veut. Coucou ma belle Jessie. Donc voilà, avec toi, ce que j'avais envie de partager, avec vous, ce que j'avais envie de partager ce soir dans ce live, c'est vraiment l'intention que vous mettez derrière chaque action. Quel est votre désir, vos désirs? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pourquoi tu le veux? Et d'aller activer tout ça, d'aller créer cet alignement émotionnel, d'aller vraiment le sentir et d'être toi-même. Donc, dans la masterclass qui aura lieu lundi à 18h, ça va être vraiment intense. Je vais te partager vraiment trois choses qui a fait que ça a complètement changé ma vie et mon business. Trois choses qui fait que en décembre, je double mon CA, qu'en janvier, je triple mon CA. Toutes ces choses-là, mais ce n'est pas une question de chiffres en fait. C'est pas ce qui m'importe vraiment, c'est une question d'être. Moi, je veux vraiment que vous compreniez ça, que c'est une question d'être, c'est une question de vibration, c'est une question d'activation, c'est une question d'activer votre potentiel, d'activer votre magie à l'intérieur, être conscient de qui vous êtes, d'être conscient de vos talents et de vos dons et de mettre en place votre propre stratégie, de mettre en place ce qui vous convient à vous parce que si vous prenez un modèle de quelqu'un et vous le mettez sur vous, ça va pas vous aller. Parce que ce n'est pas votre identité, ce n'est pas qui vous êtes vraiment.
Donc c'est ça qui me tient vraiment à cœur, de vous partager ça, que vous ayez cette compréhension et cette intégration, justement, que ça vienne enclencher le Tetris, que ça vienne amener une nouvelle pièce du puzzle, enclencher une autre chose dans votre vie et de vous dire, ok, c'est possible, parce que tout est possible. Tout est possible et toi, moi, tout le monde peut le faire. S'il y en a qui arrivent, si moi je passe par des étapes, si j'en suis là aujourd'hui, tu peux le faire. Clairement, tu peux le faire. Ok ? Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi. N'hésite pas à me dire comment ça résonne. Est-ce que toi, tu es plutôt... Quelles sont les intentions que tu poses ? Est-ce que tu es conscient des intentions que tu poses ? Est-ce que tu es conscient de ce que tu veux vraiment dans ta vie ? Est-ce que tu es conscient de pourquoi tu le veux ? Quels sont vraiment tes désirs ? Quels sont tes désirs ? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là ? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le moment de commencer. Donc, je te souhaite un merveilleux week-end. Je te souhaite de célébrer cette semaine, de prendre un temps aussi d'avoir la gratitude, de regarder tes réussites parce que ça va vraiment enclencher un autre système nerveux à l'intérieur de toi et ça va plutôt, si tu te sens en énergie basse, bah mets ton focus sur ce qui a fonctionné, ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu as fait de différent, où tu t'es amélioré. Amène cette énergie-là et ton focus-là. Je t'embrasse, je te souhaite un merveilleux week-end et on se retrouve demain. Bye!